Sur YouTube. Nous reprenons nos aventures sur Little Hope, quatrième épisode, je crois. Et nous avançons. Alors, on est là! On n'arrive pas à ouvrir les portes! Ici non plus! Ça doit être verrouillé! On va essayer de forcer la poignée ensemble! Dans 3, 2, 1! Incroyable. Taylor. Monsieur le prof. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Rien de vraiment très utile. Des démons. Mais regardez ça. Des zombies. C'est plutôt cool. Bah ça va. J'arrive pas à le croire. C'est exactement le porte-clés que j'ai vu dans mon rêve. Ça, c'est bizarre. C'est pas bizarre. C'est un genre d'indice. Mais... qui nous amène où? Toujours convaincu que se séparer était une bonne idée? Disons que maintenant, je suis plus ouverte à d'autres propositions. Tant mieux si vous trouvez ça drôle tous les deux. Moi, je pense qu'on a de sérieux ennuis, là. Vous savez ce qui est arrivé à votre double? On l'a accusée de sorcellerie. Pas seulement accusée. Elle a aussi été jugée coupable et condamnée. Nous devons savoir ce que risque cette femme. Ce qui va lui arriver ensuite. Cette idée me plaît bien. Mais je ne vois pas par où nous pourrions commencer. Et du coup, tu sais, ils se retrouvent et discutent de ça comme si c'était normal. La réponse se trouve peut-être au bout de celle qu'on n'a pas encore prise. Pourquoi pas ? Normal. Fais-moi l'amour. C'est complètement débile. On sait même pas sur quoi on va tomber là-bas. Quels arrivent-ils ? Je sais que la nuit a été rude, mais... on va s'en sortir. Sous tes airs d'intello, tu caches apparemment l'âme d'un guerrier. Enfin, calme-toi, hein. Y a ton mec juste derrière. Et nous jouons avec John. Incroyable. Alors je me demande comment ça se passe en coop du coup. Genre est-ce qu'on fait coop en même temps ou si... je sais pas. Non, en vrai depuis le début Andrew il est lucide. Ah, le prof. Mais c'était le chauffeur de bus, ça, non? Il y a un bail avec le chauffeur de bus, hein. Bon, cette lumière s'infecte. Ouais, je sais pas, hein. Mais cette lumière, c'est infect. T'es obligé de marcher en crabe. T. Johnson, 1836-1858. Jeune autrice prometteuse morte dans des circonstances tragiques après avoir écrit son premier roman. Ouais. Taylor, il faut que tu vois ça. Il y a des vandales dans la région. Alors là, j'hallucine. C'est quoi ce truc? Est-ce que tu as de la famille ici? Dans ce trou perdu? Ah non. Pourquoi ce truc chelou a la même tête que moi? Non mais... d'accord. Ok. Tu veux pas mettre ta lumière? Allô? Ah!
Ok. Non? Toujours pas? Pas de lumière? Bah c'est cool. On peut pas y aller. Ok. Bon, le jeu est bugué, hein? T'as déjà... Bon, t'as ça, t'as loupé ça tout à l'heure à Maury, mais... On s'est tapé le générique du jeu en... avec un framerate équivalent à 2. C'est bizarre. Comme tout ici. Genre comme si y avait un CD qui se lisait mal. C'est peut-être à cause de la brume qu'on a dévié. On n'était pas censé s'en sortir en vie. On n'y voit que dalle. Cette eau est toute noire. Hors de question que je m'en approche. Tu as bien raison. Le pétrole, un fléau. Ok. Qui commence ? Monsieur le prof, apparemment c'est vous le meneur, donc... Bah, en tout cas, il a un sacré élan, donc il pourrait, en sprintant un bon coup... Examinons nos options. Il vaudrait peut-être mieux étudier d'abord toutes nos options. C'est ça. Bien sûr. Je rêve. Je veux quitter ce pont le plus vite possible. Mais pas la première. Très bien. Quelqu'un doit passer devant. Vas-y, je te suivrai de près. Oui, bien sûr, saute. Hein. Saute dessus à pieds joints. De manière répétée. Hey ! Seigneur ! On fait quoi ? Ne restons pas là. C'est temps de grâce, 1692. Nous sommes réunis séants pour assister à une juste exécution. Non ! Le tribunal a jugé Amy coupable d'hérésie et condamné la sorcière à être noyée. Prions tous en silence pour son âme. Je n'ai rien fait de mal. Je suis pieuse. Je ne mérite point la mort. Par pitié. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes comme Angela ? Le sens de vos paroles m'échappe, mais je vous en supplie. Aidez-moi. Le démon est ici. Il veille sur son suppôt. Il veut l'affranchir de ses chaînes. Isaac, hâtons-nous de conclure la présente affaire. La volonté de la cour doit être faite avant qu'il soit trop tard. Le diable lui prête sa force. Veillez à serrer ses liens. Vous n'avez pas le droit. Isaac, je suis exécutez l'hérétique. À l'aide. Renvoyez cette sorcière chez son maître avant qu'ils ne viennent tous nous damner. Little Hope est déjà perdu, rongé par le mal. Mais non comme vous le prétendez, par les démons et les sorcières. Ils nous rongent de l'intérieur. Tes boniments ne pourront pas te sauver. C'est la vérité. Le diable prend bien des formes. Vous le savez mieux que quiconque. À Little Hope, le mal s'est dissimulé sous un voile d'innocence et a pris la forme d'une enfant, celle qui m'accuse. Tant que Marie n'aura pas rendu l'âme, Little Hope ne connaîtra pas le salut. Vous cherchez le mal, révérend. Il est au milieu de vous. Isaac. Ok. Mmh.
Mais c'est quoi ces sbires derrière qui ont pas de visage? L'aidez pas surtout. Hein. Qu'avez-vous vu? Dites-moi. Je ne sais pas comment vous décrire ce que j'ai vu. Votre sosie a été poussée à l'eau enchaînée. Elle s'est noyée. Ou alors elle s'entraîne à l'apnée. Et elle remonte que maintenant. Très bien, je passe devant. Ah. Prouesse de John. Il va mourir. Ok, c'est bon, venez me rejoindre. Ok. Mais aidez-la, bordel de merde. Double mort. Et John, du coup? Mais il est là. Nickel. Mais du coup, il n'y a pas eu d'interaction avec ce machin. Et je pensais qu'il y aurait eu une interaction. Il s'en est vraiment fallu de peu pour Angela. Elle a failli connaître un sort pire que la mort. Ou pas. Quoiqu'il n'y ait rien de particulièrement mauvais dans la mort. Eh bien, bravo. Aucune perte tragique jusqu'ici. Les choses auraient pu se passer autrement. Étant donné la vitesse à laquelle les enjeux augmentent, une sorte d'arme pourrait s'avérer utile à présent. Vous ne croyez pas? Vous auriez vraiment dû explorer avec plus de soin. Il est trop tard. Pardon? Les garçons ont des idées intéressantes. Un commissariat? Ils, comme Andrew le suggère, être les réincarnations modernes de leurs alter-ego du passé. Ou préférez-vous croire à l'hypothèse de Daniel? Affirmant qu'ils sont tous morts. Mon rêve vivait encore au-delà de la vie. Alors la tempête commençait pour mon âme. Je croyais franchir le fleuve mélancolique avec le sinistre batelier, chanter par les poètes et gagner le royaume de l'éternelle nuit. Bon, le jeu vient de me faire comprendre que j'ai raté le revolver. Le chauffeur de bus en sait peut-être plus. Vous devez trouver tout cela bien confus à ce stade. Sosie d'autrefois, sorcière, fantôme, mort, horrible démon. Qu'est-ce qui pourrait bien relier toutes ces âmes damnées entre elles? Nous finirons bien par savoir.
on m'a accordé la permission de vous offrir un indice, un seul. On tente ? Non. Vous refusez mon aide ? Bravo ! Quelle indépendance ? Ou quelle stupidité ? Nous le saurons bientôt. Pas de backseat. Allez-y ! Aussi terrifiante soit la situation, vous devez y retourner. Mais j'ai raté le Colt et... En fait, le problème, c'est qu'au niveau du gameplay, c'est frustrant. Et il y a beaucoup de pièces, tu rentres, tu vois rien. Du coup, voilà, on a loupé un truc important. C'est pas faute de fouiller, hein. Non, mais c'était quoi cette monstruosité? J'ai jamais rien vu de pareil. C'était une vision de cauchemar, vous avez vu cette horreur? Sa bouche béante, son regard mort, sans âme. N'y pensez plus, c'est fini. J'ai failli mourir. S'il m'avait attrapé, il aurait pu... Vous avez eu la peur de votre vie. Et nous aussi. Mais au moins, on s'en est tiré vivant. C'est vrai. Plus de peur que de mal. Je crois que maintenant, ça va aller. Cette chose, cette abomination est toujours là. Elle est peut-être même à nos trousses. J'ai vu ces chaînes. Les mêmes que la femme qui a été noyée. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. L'un de vous sait-il où sont passés Taylor et Daniel? Ils ne doivent pas être bien loin. Bonne question. Ça fait à peu près 3 minutes que je me pose cette question. Derrière. Hein. Fichons le corps d'ici. Je contrôle qui? Angela. Ok. Ouais, mais j'ai loupé une arme, sa mère. CJ, Isaac, Aurel. Ok. Je sens qu'il faut que j'arrête d'explorer comme ça en mode solo. Ah, mais j'ai loupé l'arme, sérieux. Pourtant, je fouille, hein. Si on continuait, je n'aime pas cet endroit. Trop frustrant. J'aime pas louper des trucs. Si gisent les corps de Thomas Wyman, gouverneur adjoint et magistrat. Ok. Non. Moi, je veux bien... Il faut qu'on parte d'ici. Il y a cette chose qui rôde. Ouais. Allez, on s'en va. S'éloigner de ce pont. Je suis d'avis de mettre le plus de distance possible entre cette chose affreuse et nous. Je pense que Daniel et Taylor en seront d'accord. Laisse-toi, à couvert. Oui, mais c'est un vélo en fait. Ouais. Ce que je me disais depuis tout à l'heure. Depuis le début, c'est le Black qui nous prank. Mais il est sérieux? Mieux vaut éviter de le croiser, selon moi. Les derniers mots de cette femme résonnent dans ma tête. Si on veut sauver Little Hope,
Il faut absolument arrêter la petite fille. Est-ce qu'elle parlait d'arrêter les accusations de sorcellerie ou d'autre chose? Je sais pas trop. Allez, on y va. Je vais rentrer jeter un coup d'œil. Pendant ce temps-là, à Veracruz. Comment ça va? Je me demande si cette chose va essayer de nous retrouver. Je crois pas qu'il soit après nous. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Reste près de moi. Faut qu'on reste près l'un de l'autre. Quand tu dis près, quel genre de près? Oh là là, ça y est. Comme ça? Pire plan. Un peu plus près. Encore un peu. Ah bah qui dit horreur dit sexe. C'est évident. C'est quoi ce bruit? J'arrive. J'ai rien. Ça marche, ce bruit. Ça me plaît pas trop, je préférerais cette passer ailleurs. Lampe torche des enfers. En fait, je dirige la caméra, mais du coup, il emmène la lampe torche. Donc, du coup, là où je veux regarder, je vois pas. En fait, je suis obligé de surbalayer pour emmener là où ça m'intéresse. C'est terrible. Sympa comme balade. J'ai pas vraiment envie d'y retourner. Bonne nuit, Amaury. Merci de passer. Putain. Ces feuilles sont très brillantes. Hé, par ici. Il faut que tu vois ça. Cette chose est peut-être encore là, cachée dans l'eau. Non, on l'a semée il y a longtemps. J'en suis sûr. Oh merde! Tu passes devant, hein? T'es plus légère que moi. Tu devrais y aller. Y a pas moyen que je traverse ce pont de merde, c'est mort. Pour rejoindre les autres, c'est par là. On n'a pas le choix. Bon. Je vais traverser et toi tu me suis. Si le pont s'effondre pas. Comme tu veux. Oh, mais c'est la bonne décision. Voilà. Une bonne chose de faite. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Si seulement tu pouvais arrêter d'éclairer les buissons et éclairer devant toi. T'as vu ça? Tombe de sorcière. Cette pierre indiquerait le lieu de sépulture de la première personne exécutée lors des procès de sorcière de Little Hope. Tirons-nous d'ici. Silence. Je vous en prie. Marie. Je suis par ici. Marie. La source de tous les maux est là. C'est la gamine qui est maléfique? Je comprends pas. Ma chère est en trémie.
Elle l'a proclamé juste avant d'être exécutée. Afin que le mal cesse, il faut arrêter Marie. On peut savoir qui vous êtes? Pourquoi vous ressemblez à John? Je ne saurais trop vous répondre. Peut-être suis-je déjà sous l'effet d'un sort étrange. Je la vois. Je l'ai trouvée. Où l'as-tu dénichée? Je l'ai fabriquée de mes mains. Je la prends pour ton bien. Le doute et la trahison font bon ménage à Little Hope. Le risque est grand. Non, Tabata! Je veux la garder! Coupure publicitaire. Et du coup? Que dalle. Aucune ligne téléphonique. Ok, alors on est bel et bien coincé ici. Vous ne les avez pas vus? Non, toujours pas. J'espère qu'ils n'ont pas de problème. On aurait déjà dû retrouver le chauffeur du bus. Je me demande où il est. Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles? Ah, t'aurais peut-être pas dû dire ça. L'impression qu'elle veut que nous la suivions. Non? Vous voulez la suivre? Elle pourrait s'en prendre à nous, nous tendre un piège. Les deux petites filles, l'une est du passé, et celle-ci est de notre époque. Ouais, c'est ça. Peut-être que l'enfant que nous voyons est, disons, un reflet de celle qui vivait ici au XVIIe siècle. On ne devrait pas attendre Daniel et Taylor? S'ils devaient passer ici, nous les aurions vus. Ah, il y en a peut-être une à qui on peut faire confiance et l'autre non. Prudence. C'est ça? Qui sait ce qui nous attend? Et peut-être que justement, en tant que John et Angela, faut porter de l'affect. Hey, attendez-nous! Oust! Ah, c'est dégoûtant! Hey! Vous êtes là? J'ai géré tous mes QTE, c'est dégueulasse. Et ben je me casse. Là, j'ai géré tous mes QTE, hein, vraiment. Pour qu'Angela survive. Mais elle a perdu ses lunettes. Ah, j'aurais peut-être dû les chercher. Angela! Merde! Non! Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Il n'y a plus que toi et moi. Jusqu'à ce qu'on retrouve Taylor et Daniel. Hey!
Il y a quelque chose qui bloque la porte. Viens m'aider, s'il te plaît. Ok. Cet endroit est une sorte de musée. La petite fille. Du calme. Je trouve ça bizarre. Fais attention. On ne revivra pas ce qui vient de se passer avec Angela. Vous en êtes certain ? Je ferai tout pour qu'on s'en sorte tous les deux. Dès qu'on sortira, on ira rejoindre les autres. S'ils ont survécu. Que fait cette gamine seule dehors ? Ok, bon, ça c'est ce qu'on avait vu, je crois. Elle pourrait avoir un lien avec Marie ? Certainement. Mais comment et pourquoi, je n'en sais rien. C'est le bouquin qu'on avait vu au tout début. On va chercher. Hein. Putain, mais insupportable. C'est pour ça que j'ai loupé le flingue. Hein. C'est parce que vraiment, t'es à contrôler, c'est un enfer. Hein. Tu vois rien. Bon, je pense que c'est par là la suite. Donc on va aller par là. Bon, là c'est fermé. Problème résolu. Fermé aussi. Ok. Perturbant. Ça m'a foutu les jetons. Il y a mieux comme musée, hein. Ah. Amy Lambert, première accusée. Amy a été accusée de sorcellerie par la jeune Marie Milton qui prétendait l'avoir vue voler sur une branche de saule. Quand la cour lui a dit qu'Amy avait été vue par des témoins à des kilomètres du lieu, Marie a déclaré « J'ai vu ses lèvres bouger pour parler à je ne sais qui et j'ai compris qu'il s'agissait d'un démon qui m'était envoyé sous la forme d'Amy. » Ok. C'est pour ça qu'ils ont tenu ce procès. Des gens qui s'acoquinaient avec le diable. Ouais. Et la petite Marie a balancé tout le monde. Ça doit être la fille qu'on a vue. Moi, Marie Milton déclare dire la vérité quant au mal dont j'ai pu être témoin avant le jour du sabbat. Madame Amy, près du frêne, a communié avec Black Samuel, un esprit ayant la forme d'un chien qui parle avec la voix d'un homme. Puis elle a tourné trois fois autour d'elle-même et a accepté de servir l'esprit et de lui livrer les enfants du village. Ok. The Poupetos. Hey ! Regardez ça ! Je l'ai déjà vu. Où ? Sur la route, près du bar miteux où on est allé. Angela et moi, on l'a trouvé par terre. C'est là que Marie nous a surpris la première fois. Intéressant. Ce truc aurait vraiment plus de 300 ans ? Tout ici a l'air d'être faux, bidon, mais peut-être que ça aussi. Regardons ça de plus près. Non ? Mais enfin, vous êtes dingue ! Il existe d'innombrables histoires qui parlent d'esprits qui se lient à des objets,
Ouais, dans les films, au cinéma. Allez-y doucement, ok? Et si l'esprit de Marie était lié à cette poupée? On la brûle, et on aurait réglé tous nos problèmes. Et si ça fait l'inverse? Peut-être que si on brûle sa poupée, ça va la rendre folle de rage. Tu n'as pas tort. Voilà, faut pas... Faut pas brûler n'importe quoi... comme ça. Après, franchement, il y a de très très bonnes idées hein, dans ce jeu. Hein. Mais c'est juste, malheureusement... Oh, vous êtes prêts pour le screamer? 3, 2, 1. Le jumpscare. La screamer. Eh ben, cassons-nous. J'ai sûrement loupé un truc. À cause de cette caméra de mort. On peut sortir. Mais où elle est passée, la petite fille? Elle nous amène là et elle s'évapore? C'était peut-être tout ce qu'elle voulait, nous mener à la poupée. C'est fait. J'en suis pas convaincu. On a peut-être loupé un truc, hein? Presque plus de batterie. Ça capte pas de toute façon. Ok, bon, on continue encore un peu. T'entends ça? Il y a eu comme un bruit, je sais pas trop. C'est Angela. Hé hey, professeur? C'est vous là-dedans? Est-ce qu'on peut se tirer d'ici? Ils sont où, les autres? Sûrement aussi paumés que nous. Tu crois qu'ils nous cherchent? Possible. Angela n'en a rien à foutre que je sois perdue. Ça, c'est sûr. Elle a un côté un peu sec, mais elle a bon cœur. T'en es sûr de ça? Ouais, je la connais depuis longtemps. Plus longtemps que vous tous. Je te parie 10 balles qu'à personne. Je touche pas à ça. Mais bon, c'est le premier bâtiment qu'on voit. On cherche l'entrée? Comme tu l'as fait pour la boutique tout à l'heure? Voleur, c'est ton nouveau passe-temps? Non, mais je l'ai été dans une autre vie. Donc, nous avons une porte ici. C'est fermé, je suppose. On peut pas passer. Mais mettez pas des coups d'angoisse pour des portes fermées, je vous en supplie. Et ben voilà. Fin du let's play. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas dû être visité depuis un bail. Oh, ouais. Et tu me dois 10 balles. Je te dois que dalle. J'ai pas dit que je pariais. C'est pas faux. Ça bouge. Je devrais arriver à l'ouvrir. On pourrait se concerter pour savoir ce qui se passe devant, mais on sait déjà ce que ça va donner.
Ouais. Ben tiens. Qu'est-ce que... On se détend, Schwarzy. Ne casse pas la gueule au mannequin. Très drôle. Viens plutôt me rejoindre. Suis-moi. Par là. Bon, au musée, du coup, là. Ah, mais c'est la porte qu'on pouvait pas ouvrir. Ok. Ces trucs ont l'air tellement vrais. Ils me font flipper. T'es là ? J'ai vu quelque chose. Tu vas où comme ça ? Tu crois que c'est prudent ? Non. Non. Ben voilà. Alors, du coup, on connaît et je peux faire demi-tour aussi. Bien fouillé. On est cette caméra qui me rend fou. C'est toi ? Allô ? Taylor ? J'aimerais bien que... Bah je vois rien. Let's go. Rejetez vos fausses idoles et implorez le pardon de notre Seigneur Jésus. Taylor ! Tout va bien ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi ? Il y avait des voix. J'ai vu mon putain de double et elle m'a regardé. Fringuée chelou et elle parlait bizarrement. Je comprends pas. Athos, Atho. Désolé de pas avoir pu t'aider, mais... Cette fille, celle qui me ressemblait, ils l'ont traînée dehors comme une criminelle. C'était... Oh merde. Cassons-nous d'ici. Ouais, ok. J'ai peut-être bien fait hein, de pas... Enfin, de la rusher direct. Petit couteau. J'ai trouvé un couteau. Enfin, c'en était peut-être un... Quand les dinosaures régnaient sur Terre. Tu crois qu'on devrait le prendre ? Ah oui. Tiens, garde-le. Pourquoi ? D'après toi, Andouille, pour se défendre. Garde-le. Tu sais, au cas où. Ouais. Ce genre de choix, donc. La Bible. Oula. Les éléments étant loin de leur place habituelle, les parties homogènes se sont disloquées. Il est possible de réduire chacune d'elles à leur forme élémentaire. Une ligne est bien produite par le déplacement d'un point, ce doit être la même chose ici. Corps, âme et esprit. La monade hiéroglyphique. La triple magie des pères fondateurs. Ouh.
Ouais. Ben, je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin. C'est bon, ça glitchait un peu. Bon, ok. Par contre, on n'a pas vu la phase avec Taylor. Acte de renoncement. Ok. Bon, d'accord. Bon, je pense que j'ai bien fait. Hein. Par contre, la caméra, les amis, c'est un délire. C'est ouf parce que, en fait, je m'attends tellement à rien que rien ne m'affecte. En fait, c'est un peu le... Parce que d'habitude, dans les films d'horreur, quand je m'y attends un petit peu, mais que je sais pas vraiment, c'est là que ça me fait peur. Hein ? On l'a déjà analysé, ça. Ah. Ah bah bug hein. Petit bug hein. Bon la poupée. Ah, y a plus la poupée. Il n'y a plus la poupée. Regarde ça. La poupée ici présente aurait initialement appartenu à une enfant dans les années 1600. Les boules. Merde, non, j'ai compris. La poupée manquante, ça doit être celle qu'avait la gamine. Tu crois? C'est trop bizarre. Trop bizarre? On nage en plein cauchemar, tu veux dire, oui. Hors de question que je reste ici une minute de plus. Je suis bien d'accord. Bon, j'espère juste qu'il n'y a pas un bug avec la poupée et que je considère pas que je l'ai pris avec l'autre groupe. Il me semble qu'à l'époque, sur Until Dawn, il y avait des bugs comme ça, où tu faisais un choix et que plus tard, le jeu considérait que tu avais fait l'autre choix. Suis-moi, c'est par ici. Il me semble avoir vu ça en let's play à l'époque. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Ah, bon. Eh ben oui. Alors, commencez-vous à y voir plus clair? Cette chose, quoi qu'elle puisse être, semble attirée par Angela. Inlassablement. J'espère vraiment qu'elle va bien. Évidemment. Désormais, enfin, quelqu'un a une arme. Elle pourrait être utile. Laissez-moi vous aider grâce à un modeste indice. Non. C'est non. Il a mal le prendre avant. Vous pensez arriver à percer le mystère sans aide. Les enjeux dépassent de loin la vie et la mort. Ne le prenez pas à la légère. Ah. Je vous laisse sur ces mots empreints de sagesse d'un grand dramaturge irlandais que j'avais rencontré à Paris, il me semble. Ne portez jamais de jugement hâtif. Chaque saint a un passé et chaque pécheur un avenir. C'est ça. Moi, je suis sûr qu'il y a une gamine à qui on peut faire confiance et l'autre non. Nous en reparlerons plus tard. Il me donne quand même son conseil, hein, le fumier. Ce n'est qu'une enfant, mais c'est ça, c'est ce que je disais plus tôt. On dirait qu'on a de la chance. Voilà la route. Le prof et les autres doivent pas être loin. Espérons. On n'a vraiment pas eu de bol jusque-là. Ok.
Eh bien, nous nous arrêtons là pour cette session. Des bisous YouTube. Et à très vite pour la suite de ce let's play sur Little Hope. J'espère que ça vous plaît. Bon, je le prends à la légère. En vrai, ça va. C'est juste le problème de caméra et de direction de la torche. Et du coup, le fait qu'on loupe sûrement des choses hein, quand j'explore. C'est ça qui me dérange le plus, finalement. Parce que bon, c'est une petite narration. C'est bien, une fois de temps en temps. Voilà. Bisous. À très vite.